Bien bonjour à tous les amis, c'est TheBlox et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme à mon avis vous l'aurez déjà vu, nous sommes actuellement sur IRLC Emergency Response Liberty Country. Et aujourd'hui les amis, nous sommes en police pour... je vais vous montrer un peu le métier de policier sur IRLC. Hop les amis, je... prépare du coup mon stuff parce que là les amis en fait je viens de mourir et du coup bah je dois refaire tout mon stuff et ça c'est un peu chiant parce que j'ai encore des balles dans mon pistolet, non plus beaucoup. Hop, du coup on va en reprendre. Voilà, maintenant qu'on a des balles on va aller ici et les amis du coup moi j'ai toutes les voitures du jeu. Si je veux je peux mettre une Corvette mais pour le moment on va s'intéresser à la Dodge Charger Body, ma voiture normale quoi, celle que j'aime bien, que j'utilise presque tout le temps. Bon, elle a plus beaucoup d'essence. Désolé les amis, du coup s'il y a des bugs au niveau de ma voix. Hop, le stop stick on le met dans le coffre. Hop, I am available, je sais pas trop comment ça se dit. Et comme vous pouvez le voir, les amis, enfin ouais, allez, je vais vous faire un petit tour de ma voiture. Du coup, normalement, les amis, vous n'avez pas ça, ça vous le débloquez quand vous êtes superviseur, je crois. Non, ouais, je sais plus. Voilà, du coup, vous obtiendrez le truc pour que ce soit un peu caché. Et les barres de gyrophares comme ça en dessous, bah, c'est moi qui les ai achetées avec des Robux, regardez. Sinon, vous avez une barre ELS sur le toit. Voilà. De superviseur, il y a écrit superviseur sur ma voiture. Et sinon je peux aussi mettre en totalement discret avec rien du tout d'écrit dessus, mais moi je l'aime très bien comme ça. Allez, du coup les amis, il va falloir qu'on remette l'essence parce que là on n'a plus d'essence. Ah regardez, ça c'est un collègue de quand t'as une voiture tout à fait normale. J'avais ça moi aussi. Ah mais pousse-toi toi. Les amis, ouais, il y a des gens qui sont un peu fous de temps en temps. Bon, du coup, vous entendrez pas le son du jeu, c'est normal, parce que je m'en souviens de la vidéo d'avant, l'épisode 2 de IRLC, j'avais oublié de couper le son. C'était horrible. Et là, du coup, cette fois, les amis, j'ai coupé le son. Oh, pousse-toi, toi. Alors, du coup, bah, les amis, je vous ai pas encore présenté le métier du coup du conducteur, du tracteur et hôpital, enfin, du fermier. Parce que c'est bon les amis, du coup j'ai pu acheter le tracteur. Sauf que les amis, il y avait eu un bug, c'est que du coup j'ai récupéré 70 000 de cash. Je me demandais d'où ça venait ces 70 000, tout à fait normal. Et en fait c'était le camion d'essence et le camion de la poste qui m'ont redonné l'argent. Et moi comme un débile, bah j'ai mis ok, du coup j'ai récupéré les 70 000, très mauvaise idée. Parce que du coup, là, je suis en train de refermer pour avoir le camion d'essence. Parce que c'est mon préféré. Je préfère encore le camion d'essence plutôt que le véhicule de la poste. Du coup, pour le moment, on n'a aucun appel. Là, on est tranquille. Et bien sûr, il fallait juste que je le dise. Hop, on va juste s'arrêter là pour regarder. Désolé, du coup, les amis, si ça bug. D'accord, bon, bah, on va prévenir les collègues. It's a fake call. Parce que les amis, du coup, je dois parler anglais, parce que, bah, il faut que je m'adapte, parce que c'est un jeu full anglais. Du coup, bah, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de youtubeurs français qui ont fait du IRLC. Et j'espère qu'un jour, peut-être, YouTube reconnaîtra mon grade de premier YouTuber français à faire certains jeux. Ça, personnellement, ça me rendrait tellement heureux. Voilà. Du moins que le jeu, peut-être, détecte, ouais. Je sais pas trop. Ah là, regarde, il y a des gens qui nous ont mis OK. Enfin, du moins, ouais, un collègue qui m'a mis OK. Parce que je lui ai dit, du coup, que c'était un fake call. Ah voilà, regardez, il y a un collègue ici. Salut collègue.
Voilà. Bon, vous avez, du coup, vous n'avez pas entendu, mais là, je l'ai fait, j'ai donné trois petits coups de klaxon. Oh, mais c'est un fou, lui. Bon, on va pas aller l'arrêter parce que j'ai la flemme. Et parce que comme ça bug un peu, bah voilà. Voilà ce qui arrive quand je bug, c'est que du coup, je me retrouve avec une voiture devant moi, sans comprendre comment ça se fait. Oh, bah, parce qu'il paraît, les collègues, eux, ils ont bien envie d'aller le chercher, le gars. Pauvre gars. Combien coûte l'essence ici? Parce que les années, maintenant, il y a... Ah, 3,88, c'est pas cher, ça. Bon, on va dépenser un peu d'argent. En même temps, sinon, je pourrais plus utiliser ma voiture. Hop, et voilà. Non, je le connais, lui. Lui, dès que il va venir me tuer. Du coup, je préfère rester dans ma voiture. Ah, je ne vais pas bouger, je vais attendre qu'il s'en aille. Hi. Ok. Hi. D'accord, je sais pas trop ce qu'il me veut. Mais là, si je vais pas. Ah, bah c'est bon, je suis à sec. Bon, bah je ne peux clairement plus rien faire. I shoot me in the car. Ou alors c'est la voiture bleue là. Black on her, is he? Ok. J'ai peur que ce qu'il y en ait un, les amis, qui me tue comme ça. Pour aucune raison. Non, lui, il a pas les back on her. Bon, allez. Faut qu'on mette 14 galoons. Du coup, c'est 3,88 le galoon. Les amis, je ne connais pas les unités de mesure en galoon. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas si c'est gallon ou galoon. C'est difficile à savoir. Dites-moi, les amis, si vous le savez. Là, je peux mettre de l'essence tranquille, tout va bien. Faut juste faire vite avant que le prix change. Allez. Ah, nickel. Ils sont en train de s'en aller. Du coup, je suis tout seul à la station. Et je préfère quand c'est comme ça. Parce que, franchement, je kiffe pas trop quand il y a des gens comme ça qui viennent avec moi. Qui commence à me taper la discu, sachant que je suis mort juste avant par je ne sais pas qui, parce que j'étais en train de faire des réglages sur mon ordi, les gens. Du coup, rip moi. Alors, on y est prêt. Du coup, les amis, là, cette vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est au titre. Enfin, comme vous pouvez le voir au titre, c'est je vous présente du coup le métier de policier sur IRLC. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai le métier de fermier ainsi que celui de médecin. Et bah, le chafon. Voilà, 55 dollars. Et plus tard, je vous montrerai dans une autre vidéo. Peut-être que je ferai des RP, sachant que IRLC est gratuit. Wow. Il y a beaucoup de beans, du coup on va aller voir ça. Il y a un collègue qui a l'air pas très très bien là. S'il met beaucoup de I need backup, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Désolé les amis, petite notification. Allez, bon là du coup vous l'entendez pas, mais j'ai les sirènes là qui sont bien allumées. Sirènes hurlantes. Toi là, pousse-toi, tu vois bien qu'il y a la police. Oh là là, ça a l'air d'être le bazar. Oh, c'est une blague. Maintenant, ils ont besoin de moi au Downtown Park.
Allez, tourne. Oh, punaise. Ah oui, c'était la fameuse voiture noire. On a vu les amis en début de vidéo. Ah bah apparemment elle est partie. Bon. Bah je suis redisponible. Mon zut du coup parce que ma voiture elle est un peu cassée. Ah il faut que je puisse sortir de là moi quand même. Non, pas celle-là, c'était une autre. Du coup, les amis, bah, plus tard, je vous ferai des RP parce que moi, j'aime bien personnellement les RP. Je suis sûr que vous, vous aimeriez bien aussi en avoir avec Choco ou Nana la Star. Ça pourrait être bien. Bon, voilà, je vais juste aller faire respawn ma voiture, les gens, parce que bah, elle est toute pétée. Oh, oui, je vais vous faire aussi visiter un peu le poste de police, hein, tant qu'on y est. Du coup, si je garde ma voiture ici, voilà. En haut, vous avez l'accueil du poste de police. Ici, du coup, vous avez les interrogations. Ici, du coup, le l'office. Charade. Ouais, Charade. Les toujours les interrogations. Et là, le holding. Du coup, c'est l'endroit où on met les trucs pour la détention. Ouais, je crois, ou la garde à vue, si on préfère. Voilà, si vous montez à l'étage, tout simplement, vous avez le dispatch, la briefing room. Voilà, je vais vous montrer le dispatch qui est quand même très stylé parce que si vous allez ici, vous avez les caméras de la ville. Les petites caméras qu'il y a au niveau des feux rouges. Et je peux observer tout. Vous voyez là-bas, par exemple, il y a une voiture de police. On va essayer de la voir. Voilà, regardez, il y a un barrage, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti, les amis, on s'en va. Là, du coup, on a des petits bureaux. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas, parce que c'est bizarre. Ils font un barrage pour aucune raison. Hop, allez, on va prendre, du coup, une nouvelle voiture. Pouf, on va la faire réapparaître, parce que du coup, bah voilà, maintenant, elle est pleine de vie. Voilà, alors on va aller voir tout ça parce que ça me semble quand même très étrange. Tant mes collègues sont souvent un peu bizarres. Faut pas en parler de ça, les gens, hein. I need backup. D'accord, on va aller voir tout ça encore une fois. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là, cette voiture? C'est quand qu'il y a la DOT, Department of Transportation, qui va venir la chercher. En gros, c'est comme la DIR, si vous connaissez. Bah, je m'en fiche, je passe. Désolé les amis, j'ai eu un gros lag. Ouh là là, je lag, je lag, je lag. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est une blague. Je comprends pas. Là, clairement, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Hi. J'ai galéré à mettre hi. What happens? The house was on fire. Ok. Now she know on fire. Please move your car. Pouf! Y a pas de feu là. Voilà, c'est bon les amis. Là, je crois que j'ai géré. J'ai réussi à faire en sorte qu'ils s'en aillent.
Oh, bah tiens, ce ne serait-ce pas la fameuse voiture recherchée? Bon, je m'en fous. On ira la chercher plus tard. J'irai la chercher, les amis, plus tard quand j'aurai fini la vidéo. Des amis, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez des choses que vous voulez que je teste sur IRLC ou sur Roblox en général. Je serai tout le temps partant pour des idées de la part de mes abonnés. Oh, lui, il a failli traverser alors que c'était rouge, hein. S'il l'avait fait, moi, j'aurais poursuivi. Hop, allez, on tourne ici. Encore du backup? Et qu'est-ce qui se passe enfin? Là-bas, il y a un mec qui se balade. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Y'a rien! Voilà, j'ai activé les lumières de devant. Putain, les amis, je crois que je viens de trouver un gars qui a fait. Oh, trop bien! Oh, les amis. Tu passes sur YouTube. Les amis, je crois qu'il est limite étonné. Bon, voilà. Les amis, le gars que je croyais à moitié débile est en fait un gars ultra cool qui, du coup, bah voilà. Il est actuellement filmé sur YouTube. Voilà, du coup les amis, en tout cas, je trouve que ça fait bien quand même pour une petite vidéo sur IRLC, les amis. Du coup, nous allons tout de suite nous arrêter là, les amis. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Moi, personnellement, ça me ferait très plaisir. En tout cas, les amis, c'était Xoblox. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, les amis, abonnez-vous, lâchez un like, partagez la petite vidéo, ça me fait très très plaisir. Les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Xoblox. Ciao tout le monde!